Ces étudiants ont tous ou presque déjà un pied dans le monde agricole. L'année prochaine, fini les salles de classe. Beaucoup travailleront sur des exploitations, mais pas question pour autant de parler tout de suite d'installation. Pour le moment, c'est assez flou. L'envie de s'installer, elle est là, mais c'est plus tout ce qui est administratif, papier à faire. Ça fait un peu peur, oui. Peut-être m'installer, mais ce sera vraiment pas tout de suite. Pour le moment, la crise du monde agricole, ces élèves la regardent un peu de loin. Difficile pour eux d'imaginer notre pays sans agriculteurs. Le problème est plutôt de voir disparaître le modèle d'exploitation de leurs parents ou grands-parents, si rien ne change. Et s'il y a des agriculteurs qui ferment, au bout d'un moment, soit c'est que les gros agriculteurs qui pourront fournir, et ce sera le monopole des grosses exploitations. Ça décourage, vu le prix, vu ce que... un peu, oui, quand même, parce que si on s'installe et qu'on gagne pas notre vie après, ça sert à rien. Mais est-ce que vous les engraissez ? Pour ce professeur, la situation d'aujourd'hui n'est évidemment pas idéale pour attirer les jeunes vers ce métier. Mais une chose est sûre, chaque élève de cette classe est animé par la même passion pour l'élevage, moteur indispensable pour arriver à se projeter. Il y a forcément une appréhension parce que on ne sait pas de quoi va être fait un an, deux ans, 10 ans, 20 ans. Il faut savoir qu'il s'installe, ce n'est pas pour 5 ans. Quand on s'installe, c'est quasiment un choix de vie. C'est pour, on se projette à 10, 20, 30 ans. D'ailleurs, les investissements sont à 10, 20, 30 ans. Donc forcément, il y a une appréhension de leur part. Maintenant, la passion est telle que, oui, ils sont là. Ils souhaitent s'installer. Après, à eux de bien réfléchir leur projet et à eux de bien le ficeler, quoi. Faire un bon business plan, savoir exactement où on va. Préparer les élèves à cette réalité qu'est le monde agricole, c'est l'objectif de ce type d'école. Un objectif d'autant plus important aujourd'hui.